si vous avez des questions à l'invité, si vous voulez savoir comment s'inscrire au concours et si vous voulez nous faire un petit coucou, hein, tout simplement, ça fait toujours plaisir. Mariam, pourquoi as-tu voulu rentrer dans cette aventure? Parce qu'il me semble que toi, tu avais un travail, tu n'étais pas forcément dans ça. Et puis tout d'un coup, tu rencontres cette équipe au Canada et ils te proposent de rejoindre l'aventure en tant que directrice nationale. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire partie de cette aventure, Miss Face of Humanity? Alors, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, enfin bon, moi, je suis issue du monde de l'esthétique. Donc, rien à voir. Rien à voir, oui. Issue du monde de la beauté. Exactement. Voilà. Enfin, je crois que ça se voit un peu. Oui, il y a du social aussi. Si, il y a du social aussi. Une petite dragouille vite fait au passage. Subtile. Non. Il a des béquilles, mais il a toujours sa bouche pour parler. C'est grave. Non, il est vrai que dans le monde de la beauté, j'ai envie de dire... moi, je rencontrais des femmes... par exemple, enfin, il y avait des femmes qui venaient pour juste acheter leur maquillage et tout ça, et il y en avait d'autres en fait qui avaient besoin en fait de se valoriser. Il y en avait d'autres qui avaient besoin en fait de, comment dire, de reprendre confiance en elles. Au-delà de l'aspect physique. Exactement. Mm-hmm. Voilà. Donc, on va dire que dans le monde de la beauté, oui, j'ai rencontré des femmes à qui on a fait beaucoup de bien par le maquillage, on va dire. Et effectivement, au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que le monde de la beauté, c'est bien, mais je voulais faire autre chose. Et du coup, je me suis retrouvée à travailler dans un ESAT. Okay. C'est quoi, donc, un ESAT? C'est établissement et service d'aide par le travail. Oui, ok. Donc, d'accord. Voilà, donc c'est un lieu, en fait, où on accueille en fait, des personnes en situation de handicap. Okay. Donc, c'est des gens à qui on essaie d'occuper leur journée en leur donnant du travail. Donc moi, en l'occurrence, ce que je faisais, c'est que j'allais, je prospectais les entreprises. Un petit peu comme une commerciale. Exactement, voilà, afin de leur trouver, des activités. Mm-hmm. Donc voilà, et quelques années après, donc Miss Face of Humanity qui est arrivée. Donc alors comment je me suis lancée dedans, enfin. Est-ce que c'est toi qui es allée au Canada et qui a rencontré cette équipe ou est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi? Non, c'est eux qui sont venus vers moi par le biais d'une personne. D'accord. Donc, ils m'ont parlé de ce projet et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être un challenge. Mm-hmm. Ça peut, c'est vrai que c'est, c'est énorme, hein, mais je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que ça correspondait énormément à mes valeurs. Mm-hmm. Parce que je me dis, enfin voilà, tout ce qui est humanitaire, ça me parle, quoi. Donc, pourquoi pas. On retrouve un peu de beauté, moi j'ai l'impression aussi là-dedans. Face of Humanity, c'est-à-dire qu'on est quand même le visage de quelque chose ou d'un mouvement, voilà, d'humanité. Ça. Donc ça, c'est finalement, tu es passé de la beauté à une autre beauté, une beauté intérieure, on va dire. Exactement. Bon, okay. C'est ça. Et du coup, voilà, donc c'est comme ça que c'est de comme ça que c'est parti. Et puis voilà, aujourd'hui on est là, on a passé le premier casting, tout s'est bien passé. Et le deuxième arrive bientôt. Yes. Voilà. Alors, pour ce premier casting, il y a eu combien de participantes? Une quinzaine. Mm-hmm. Voilà, il y a une quinzaine de participantes et sur les 15, on en a sélectionné 5 exactement. Yes. Parce qu'il faut savoir que par rapport à Miss Face of Humanity, c'est qu'il y a plus de 40 pays qui vont concourir en fait à cet événement. Et la France, on va dire que c'est... c'est un peu le comment expliquer Ils sont nouveaux dans la compétition, c'est ça, non? La France, oui. Ouais, okay. Oui, y compris les autres pays d'Europe. Là, pour que je comprenne, voilà. Les castings se passent... partout dans le monde. Là, partout dans le monde. D'accord. Donc, il y a des équipes un peu partout qui font le casting. Ce n'est pas des castings Internet ou directement FaceTime. Ok, d'accord. Non, non. D'accord. Dans tous les pays qui ont été sélectionnés, il y a une équipe qui va, coordinatrice en fait, on va dire, qui est basée à chaque endroit, dans chaque pays, exactement. Et tu es la coordinatrice française. Exactement. Moi, je dirais même, c'est pour ça que je te disais directrice nationale, ça, t'es un petit peu comme une chef de projet, t'orchestres tout de A à Z, finalement, avec l'aide de certains partenaires, avec l'aide de Watcha, ce qui paraît aussi, peut-être. Oui. toujours là. Non, pour tout vous dire, en fait, j'étais avec Mariam, en fait, pour le premier casting, on a commencé un petit peu à organiser, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mariam, en fait, m'avait proposé ce concours. Du coup, je vais le co-présenter certainement avec une autre personne. Et pour moi, c'est un plaisir parce que présenter un événement, j'adore. Mais surtout, si c'est pour le bien de l'humanité, quelque part, là, c'est vraiment
l'image de toutes ces filles qui vont concourir. Alors c'est vrai que moi j'aurais même voulu que ce soit un truc pour les hommes et les femmes parce que j'aime pas faire de distinction, mais là en l'occurrence le concours a ses règles. Faut préciser aussi que c'est un concours qui est dédié aux femmes qui ont entre 18 et 28 ans. Et par rapport à ça, c'est une volonté de qui en fait pour que ce soit arrêté par exemple à 28 ans? Ça c'est le Canada. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'au Canada, ils ont... Il y a des règles, voilà. En fait, ils ont... Si vous voyez la tête de Céline, elle est dégoûtée. Hein. Ah, mais moi, je suis dégoûtée, en fait, là. Je ne peux plus concourir, je suis trop vieille. Pourtant, j'ai du cœur, hein. Ou t'es peut-être trop jeune, peut-être, on ne sait pas. Bah, en 18 ans, quand même. Il y a une autre manière aussi de pouvoir participer, en étant à nos côtés comme tu le fais. Non, pour moi, c'est un plaisir. Et vraiment, le but, c'est de faire un bel événement, de rassembler beaucoup de gens qui voient un petit peu ce qui s'organise aussi, au-delà des concours de beauté. Et puis, dans le jury, il y a aussi Christophe Herry, qui est ancien Mister France, donc lui qui a participé à un concours de beauté, qui connaît un petit peu comment s'organise un concours. Absolument. Mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui est très investi dans des causes humaines. Donc je pense que c'est une très très belle personne pour faire partie du jury, quoi. C'est exactement ça. Et on a le droit d'avoir le nom des autres jurys? C'est en cours. Oui. D'accord. En tout cas, il y aura normalement des influenceuses, des chanteurs, des et des gens assez influents dans le milieu. Et qui sont aussi engagés? Qui sont aussi engagés. Ah, c'est le critère. Hein. Même les jurys ont des critères. Oui, effectivement. On essaye d'avoir des personnes qui sont engagées, hommes ou femmes, par contre, dans le jury. Ouais. Parce qu'il y a pas Sinon, j'aurais pas présenté. Il n'y aura pas une animatrice, par hasard? Couleur blonde, dans le jury? Une animatrice couleur blonde? Oui, dans le jury, il n'y en aura pas une? Non. Sûr? Certaine? Ah oui, absolument. Moins que je ne sois pas... Non, je pose la question. Je parles de qui? Je ne sais pas. Blonde, je ne sais pas. Oui. Je pense à une personne blonde, mais qui va présenter l'événement. On peut pas présenter l'événement. Ah, on peut pas être partout. Si jamais on pense à la même blonde. Oui, je pense qu'on pense à la même blonde. Je pense qu'on pense à la même blonde. On peut pas être partout, les gars. Ah, ok. Bon, c'est bon, tu peux le dire maintenant. On va faire une sous-catégorie pour les hommes de plus de 30 ans. T'inquiète pas. Excuse-moi, j'en fais pas partie. C'est compliqué. Ah, mais attends, tout 30. Eh ben ouais. Mais non. C'est pas vrai. Tu es tellement mature, Achille. Je savais pas. Non, je dirais pas, ouais. L'expérience des femmes, hein, c'est sûr. Ah, c'est ça qui t'a donné tout ce... Fait vieillir trop vite, quoi. Passer du temps avec Céline. Voilà, donc, comme vous le remarquez, un Watcha Talk, c'est une émission de solidarité, mais c'est surtout une émission où on se détend par c'est tous ça. Les moyens. C'est ça. N'hésitez pas à rester connecté sur www.irm.radio. Toujours le même numéro de téléphone, le 07 71 59 62 68. Et on est toujours avec Mariam, la directrice nationale du concours Miss Face of Humanity. Alors, pour que les auditeurs puissent suivre un petit peu ce concours, l'Instagram, c'est Miss Face of Humanity -8 France. Oui. Super. C'est ça. Donc si les filles, vous avez un beau projet humain, si vous êtes à la tête d'une association qui a du cœur, n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram et envoyer un petit message privé. On vous communiquera également le mail de Mariam si vous voulez vous inscrire pour le prochain casting qui aura lieu le 5 décembre. 5 janvier. 5 janvier, oui. Parce que le 5 décembre, ce sont les grèves. En fait, j'étais tellement en train de penser à Neil, parce que je sais que Neil, pour elle, le 1er décembre, c'est vraiment synonyme de quelque chose d'important. Oui. Bah, en fait, c'est synonyme de beaucoup de choses, même, je dirais. Et pour quelle raison? Eh bien, parce que c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Yes. Voilà, la journée internationale consacrée donc à la sensibilisation de la pandémie du sida. Elle est organisée donc tous les 1er décembre, comme tu l'as dit. Il s'est passé énormément de choses, notamment en Guadeloupe. Il y a eu donc pas des manifestations, mais plutôt des marches. Il y a également en Afrique du Sud qui a présenté un nouveau traitement qui pourrait apparemment changer la donne. Donc en première ligne, dans la lutte contre le VIH en Afrique du Sud, ils ont lancé sur le marché une pointe en fait, composée de comprimés 3 en 1, jugés plus efficaces. Mm-hmm. On ne sait pas si ça va rester qu'en Afrique du Sud ou ils vont pouvoir le présenter également. C'est ce qu'on appelle la trithérapie, si je ne dis pas de bêtises, non? La trithérapie. Mais en fait, là, je pense que c'est au niveau des prix.
c'est un peu moins cher pour l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'ils l'ont lancé là-bas. Et c'était pas vraiment accessible pour la population sur place. Il y a également des autotests qui ont été pour dépister, qui ont été distribués un peu partout sur le territoire. On espère que ça va marcher, que ça va atteindre beaucoup plus de personnes pour être sensibilisées donc à cette maladie qui fait des ravages depuis longtemps. Bon, on a parlé déjà, je pense, la dernière fois, il me semble bien, Achille, de vaccin, mais il fallait pas trop en dire parce que on peut avoir des problèmes. Les vaccins, c'est un sujet délicat. Non, mais c'est surtout. Moi, j'avais pour information que certaines choses étaient déjà sorties. Mais maintenant, où en sont les personnes qui les ont proposées? On ne sait pas. On ne sait pas, malheureusement. Mais il n'y a pas que ça. Le 1er décembre, pour moi, c'est également la mise en place de l'Avent. Voilà, on entre dans l'Avent. Vous savez ce que c'est que l'Avent? Moi, je dis Avent. Avent. Là, ça me parle plus. L'avant, c'est avant, après, je ne comprends pas. Avent. Oui, c'est vrai, comme ça, on sait que c'est E-N-T. C'est pas avant, A-V-A-N-T. Parce qu'avant, c'est avant, quoi. Il faut rester dans le présent. Non, mais là, c'est d'un point de vue religieux. Yes. Oui, voilà, c'est dans un point de vue religieux. Mais on va dire que sur les réseaux sociaux, notamment sur la story de mademoiselle Céline, parce qu'en fait je l'avais mise aussi en story, on l'a mise en même temps, et il y a un calendrier donc de l'Avent, de la bienveillance qui est sorti, et donc du 1er au 25, je vais peut-être pas vous lire les 25 dizaine. Bon, allez, on commence par le premier. Hier, c'était donc dimanche 1er, appeler un ou une amie de longue date, par exemple. Le 7, par exemple, je prends des chiffres au hasard. Le 7 décembre, sourire à quelqu'un qui vous regarde. Le 19 décembre, offrir votre aide à une personne. Le 21, faire quelque chose d'inattendu pour quelqu'un. Et je vais faire le 24 et le 25, allez, juste pour le plaisir. Vous offrir un cadeau à vous-même, le 24. Ce serait pas mal, finalement, peut-être le bol. Je vais peut-être y penser. Et le 25, se souvenir des bons moments de l'année. Ce qui est très, très important. Ouais. Je pense que chaque jour, si on se met des objectifs comme ça, assez simples, en fait, et accessibles pour tous, ça pourrait déjà nous faire passer une bonne année et débuter sur, une nouvelle année avec des bonnes intentions, et surtout se dire qu'on va être encore plus là pour les autres. Mmh. Pour nous-mêmes, c'est sûr, quand on est bien avec les autres. Absolument. Et bien commencer l'année. Donc, on est en décembre, moi je vous souhaite un bon calendrier de l'Avent à tous. Mangez des chocolats, mais faites attention à la crise de foie. Oh, on s'en fout. Mangez des chocolats, point. Mangez des chocolats, mais voilà, soyez bienveillants avant toute chose. Alors, Neil, rappelle-moi pour aujourd'hui, c'était quoi le petit conseil? On est le 2 du coup. Mais oui, c'est vrai ça. On va savoir ce que j'ai à faire aujourd'hui, moi. Dire un mot doux à une personne. Tu as l'occasion de le dire à Achille, tiens. Ouais, tiens, ouais. Achille. Le mot doux. Un mot seulement? Dire un mot doux. Faut qu'il soit fort quand même, ce mot, je pense. Un seul. Putain, j'avais une phrase, moi. Alors, attends. Un mot, c'est dur. Ah, non, mais tu peux... En fait, dire un mot, ça peut être une phrase, finalement, en fait. Ah, d'accord. Parce que c'est l'intention qui compte. Là, il est prêt, là. Est-ce que j'ai mon instant de bienveillance avec Achille? C'est ça, mon mot. Souriez à la vie et protégez-vous. Smile. Achille, smile-moi. Achille, est-ce que c'est un message? Je t'embête, Achille. Je sais pas. Non, Achille, en tout cas, franchement, je suis très très contente qu'on fasse les émissions ensemble. On s'est pas vu beaucoup avant l'émission, et pourtant les gens qui m'entourent dans les deux émissions qu'on fait le lundi et le mercredi, c'est en général des gens avec qui il y a une vraie histoire, une vraie complicité ou quelque chose. En tout cas, toi, on se connaît pas beaucoup, mais je suis vraiment vraiment ravie que tu fasses partie de l'équipe. T'es quelqu'un de très bien. T'es quelqu'un de très très bien humainement et professionnellement, et moi, je suis vraiment vraiment contente que tu sois avec nous. Voilà, je voulais te faire une petite déclaration quand même, te dire que je t'aime beaucoup, beaucoup. Achille, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Demain, c'est le 3, et j'ai envie de te dire en avance, la bienveillance du 3 décembre, c'est faire un câlin à une personne. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 2, et t'as dit un mot doux. Le 3, c'est faire un câlin. Est-ce que demain, tu seras prêt à faire un câlin à Céline, ou tu veux le faire en avance? Alors, sans vous...
vouloir déranger les auditeurs et les auditrices. Voilà, on a un temps à respecter. On pourra peut-être le faire, mais en off. J'en dis pas plus. Au moins, c'est dit. Est-ce que j'aurai mon câlin ou pas? On verra après l'émission. C'est ça. Restez connectés pour le savoir. C'est ça. En tout cas, merci Neil. Effectivement, c'est vrai que c'est très très important d'avoir des petits instants comme ça de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Et effectivement, décembre, c'est peut-être l'occasion de s'accorder ces petits moments. Merci à toi. Merci à vous. Mariam, qu'est-ce que tu penses justement de ces petits instants à s'accorder? Est-ce que toi-même, tu t'accordes ces petits instants? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'un peu étranger? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, il faut s'accorder du temps pour soi, mais je pense que on ne le fait pas assez. Voilà, moi, je fais partie de ces personnes-là qui pensent toujours aux autres et après à moi. Ouais. Mais j'essaye. Voilà. Et est-ce que tu as un petit rituel, un petit quelque chose que... Parce que je sais que toi, tu es une femme qui travaille beaucoup. T'as tes enfants, t'as une vie très très active, t'es très très speed. Et puis c'est vrai que l'organisation de ce concours, c'est quand même quelque chose d'assez prenant. Et toi, t'es assez perfectionniste, donc t'as envie d'en faire quelque chose de beau. Quand tu t'accordes du temps, qu'est-ce que tu fais par exemple? Est-ce que tu vas faire du shopping? Est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu regardes une petite série? Est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu fais toi? J'ai envie de dire plutôt, ouais, je me repose. Ouais. Enfin, je reste à la maison, j'essaye de enfin voilà, soit regarder une série sur Netflix ou... Enfin, ouais, c'est vrai que je fais rien de... Enfin, j'essaie, voilà, de... Détente, quoi. Ouais, détente. Voilà, c'est essentiellement ça. Et puis, voilà. Tu ne mets pas la musique à fond, tu n'écoutes pas Level Up, je sais pas. Quoique, voilà. Enfin, j'ai quand même oublié quelque chose, c'est que... Oui. On pense en disant Level Up. je me suis inscrite, enfin, par le biais de ma cousine, qui m'a dit... elle vient, fait du sport, enfin, elle s'est inscrite au sport, elle, depuis quelques mois, et c'est vrai que ça fait un moment qu'elle essaie de m'engrainer, en fait, dans son mouvement, là. Et je dis, non, j'ai pas le temps, et en fait, non, il y a trois semaines, elle m'a dit, viens faire un cours gratuit, donc j'y suis allée, et je suis repartie avec un abonnement. Ah, donc non, c'est vrai que deux fois par semaine, quand même, le jeudi et le dimanche, je vais faire mes 1h30 de sport. C'est bien. Voilà. Et c'est bénéfique. À Épinay, et du coup, c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Bon, bah écoute, tant mieux. Ouais, non, j'ai oublié ça. Donc, on aura une directrice nationale super sereine, super sportive, tout ça. Parfait. Revenons un petit peu au concours Miss Face of Humanity. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui se trouve au Canada, qui est à l'origine de ce concours? Finalement, on ne le sait pas trop. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces personnes? Donc, alors, l'équipe au Canada, donc en gros, c'est une équipe composée d'hommes et de femmes. Donc, ils ont créé une association qui s'appelle The Face of Humanity. Donc, le but au départ, c'était de venir en aide aux plus nécessiteux. Et leur est venue après, plus tard, l'idée de Miss Face of Humanity. Et pour eux, en fait, comment dire? Donc, leur souhait, c'était qu'une femme soit le visage de l'humanité. Donc, comme ils expliquaient, c'est que la femme... déjà, pourquoi la femme? Parce que pour eux, c'est la femme qui enfante, hein, tout simplement. Oui, voilà. D'où l'humanité. Et que, exactement. Et que les femmes sont remplies de bienveillance et tout ça. Et du coup... Pas toutes, mais bon, on va on dire un que... Rapport, on a un rapport différent... que l'homme, face à la bienveillance et à la tendresse, peut-être, ce genre de choses-là. On est vu un peu plus... Oui, non, mais c'est vrai qu'après, bon... Ce côté maternel, peut-être. Ouais, c'est plutôt ça. Parce que c'est vrai que... d'accord, hein, ouais, c'est moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je te jure, j'ai toujours du mal à ce qu'on... Pourtant, les hommes et les femmes, pourquoi les femmes sont bienveillantes et les hommes, ils ont une image de quoi, en fait? Je comprends pas. Enfin, moi, pour moi, c'est un petit peu... Je trouve ça dommage. C'est vrai que moi, j'aurais plus pensé à... C'est pas du tout pour parler du concours Miss Face of Humanity, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours du mal avec les organisations qui sont vraiment focus que sur les femmes ou que sur les hommes, en fait. Moi, j'aime que ce soit au niveau quand on fait des concours pour des talents. Pour moi, les talents, c'est autant homme que femme. Un mec qui représente une belle cause, ça aurait pu très bien avoir lieu dans ce concours, tu vois. C'est vrai que moi, je trouve ça bizarre. Bien alors certes, la femme, elle porte l'enfant, visage de l'humanité. Je comprends l'explication, mais de là à dire que les femmes sont plus bienveillantes, moi, je connais pas mal de femmes, c'est des sacrés garçons. Oui, non, je connais aussi beaucoup d'hommes qui sont très bienveillants.
Pam, pam. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Je suis d'accord. Mais beaucoup de femmes aident. Hein. Y a une, quand vous voyez. C'est vrai qu'il y a plus. Même quand on regarde, dans les, que ce soit en Inde ou autre, la plupart des gens qui ont des associations, ce sont des femmes. Ouais, ouais. C'est, après, j'ai l'impression que c'est aussi cette société qui nous met un peu cette image de l'homme assez bourru, comme ça. Alors que moi, par exemple, je vais donner un exemple. Hein, pour un enfant, l'amour d'un père à un enfant, comme l'amour d'une mère à un enfant, c'est, il va l'aimer autant que la maman, hein, mais ça va juste être différent. Ça va être, il va donner cet amour d'une façon différente. Mais très clairement, oui, homme comme femme, ça aurait été bien si c'était Face of Humanity. En fait, ils allaient élire et un homme et une femme. Exactement. Et ces deux-là allaient en fait travailler ensemble, quoi, dans, main dans la main et faire les mêmes démarches. Moi, j'ai une idée. Oui, mais peut-être que tu viens de soulever quelque chose qui va peut-être arriver lors d'une future... I'm sorry, guys. Mr. Face of Humanity. Non, mais tu sais, Mariam, malheureusement, tu m'as confié le micro le jour de l'événement. Donc moi, je vais élire un mister dans le public qui aura une belle cause humaine. Hein. Il y aura une miss et un mister. C'est pas mal, ça. Pourquoi pas ? C'est pas mal. L'événement est prévu pour quand ? Le 5 janvier. Pour, non, le 5 l'événement. Janvier. Ah, mars, l'événement. Mars 2020. Mars 2020. Ah, absolument. Voilà. Alors, bon, écoute, on va pas parler français, on va pas parler chinois, excuse-moi. Plutôt mandarin, parce qu'il faut bien s'exprimer dans la langue de Molière. Ouais. C'est où ? Bah, là, on a visité plusieurs salles, donc on est en attente. Vous êtes... Bon, il n'y a pas encore l'adresse qui est voilà, fixée. Pas en réalité, en fait, c'est vraiment, je me permets, hein, ouais. c'est un événement qui est pour l'instant assez petit et on a envie d'en faire quelque chose de grand et de beau. Ouais. Donc c'est vrai que là, on a visité plusieurs salles et Mariam visite pas mal de salles d'ailleurs et on avait trouvé une salle qui était petite, c'est pas forcément très accueillante. Là, on est en train de chercher un lieu qui soit vraiment prestigieux pour faire un bel événement. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça va être aux alentours de la journée de la femme qui est le 8 mars, mais pas forcément ce jour-là. Et selon le lieu, bah on vous communiquera la date très très vite. Bah, moi, avec grand plaisir, je fais une petite annonce. Hein. S'il y a besoin pour rechercher un lieu ou un événement ou quoi que ce soit, je peux vous mettre en relation avec des personnes assez bien placées qui sont susceptibles de vous proposer tout un tas de lieux, d'établissements, ah, super, et qui, après, en fonction, qui pourront même s'occuper de pas mal de choses pour vous. Donc, je passerai le contact. Mm-hmm, voilà. Super intéressant. Avec plaisir. Super. Bah, oui, c'est ça l'avantage de venir chez Watcha. Quoi. C'est ça, Watcha Talk. Watcha Talk, c'est la connexion entre les gens qui font du bien, ça fait plaisir. Par contre, moi, j'ai juste une condition, c'est que non seulement j'ai déjà mon invitation, Déjà, mon invitation qui contient deux personnes, avec deux, plaisir, plus deux. Avec une coupe de champagne et la partie traiteur, c'est ça ? Non, ça encore, il n'y a pas besoin de ça. Et par contre, moi je veux être élu Mister Face of Humanity. Voilà, c'est ça. Parce que comme je sais que c'est elle qui aura le micro, elle va le faire. Je sais qu'elle va le faire. Mais, bon, mais là, c'est pas du jeu parce que. Ça veut dire que Mariam, voilà. Tu veux un lieu ou tu veux pas un lieu ? Oui, effectivement. Donc écoutez, avec grand plaisir, Achille. Voilà les conditions. Donc, voilà, bah, par avance, t'es élu Mister Face of Humanity. Et ça va donner peut-être des idées hein, à la production. Je m'auto-applaudis. Parce que, merci. Tu sais, je l'ai toujours su. Je... Voilà. Non, alors plus sérieusement, on échangera par contre, pour les lieux. Mais vraiment, trêve de plaisanterie, s'il y a besoin, avec grand plaisir, je vous mettre en relation avec des gens qui sont spécialisés. Aïe, aïe, aïe. Moi, je propose qu'on se fasse une petite coupure musicale sur ces bonnes nouvelles. Merci Achille encore. Moi, j'ai envie d'écouter, tu vois, ce genre de musique où ça dénonce un petit peu les beaux parleurs, quoi, parce qu'on a marre des gars qui parlent trop. Allez, on y va, c'est parti, que Black, beau parleur. J'ai dit la prod ne t'appartient pas. Lui il nie en bloc. Même quand tu l'as grillé, c'est pas moi, c'est mes potes. Mais toi tu l'as grillé. C'est le roi de la soirée. Attaquant comme Suarez. Le roi des enfoirés. La pire des espèces. Le gars là c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Le gars là c'est un beau parleur, yeah. C'est un beau parleur. Le gars là c'est un beau parleur, yeah. C'est un beau parleur. Le gars là c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Tu dis la
Avec son ex, il a trop souffert. Il connaît la procédure, il sait y faire. Il te fera tomber dans son univers. Il sait qu'il est beau, il est fantastique. En soirée, il gère tout l'ego. C'est un gars ta street. Et ça, il faut y remédier. Il en a fait son métier. Et ça, il faut y remédier. La bataille sera sans répit. Le gars là, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Le gars là, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Le gars là, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Le gars là, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Mais c'est vraiment une ordure, prêt à te trahir. Il te met dans son lit et puis c'est fini. Mais c'est vraiment une ordure, traqueur aguerri. Militaire dangereux mais sans le tri. Pour lui c'est une évidence, une longueur d'avance. Il fera le mec fragile. Avec toi ça prend pas, non. Mais avouez qu'il est agile. C'est un Casanova, il faut qu'il innove. Sinon il finira game over. En tant que Casanova, il faut qu'il innove. Non il est mauvais. Le gars là c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Le gars là c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Le gars là c'est un beau parleur, yeah. C'est un beau parleur. Le gars là c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. C'est trop tard. Oui mon gars c'est trop tard. T'es qu'un beau parleur. Mais t'as grillé la main dans sac bar, ouais. Oui c'est trop tard. T'es qu'un beau parleur. Oui c'est trop tard. T'as mis game over. Le gars là c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Le gars là c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Le gars là c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Le gars là c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Parleur, je vous invite vivement à aller voir le clip sur YouTube. Il est vraiment bien fait ce clip. Il est clip, trop hein. Bien. Vraiment. Il y a une douceur dedans là. Comme par hasard. L'autopromo. L'autopromo. Non, c'est vrai que dans les. Faut regarder le clip, mais vraiment s'attarder sur les 2-3 premières minutes là. C'est les 2-3 premières minutes. Le clip dure 3 minutes quoi. Non, en tout cas, un gros big up à Que Black et toute l'équipe que j'embrasse. Vraiment, c'est des amours et la chanson, elle tue. Donc, allez-y, partagez, regardez le clip, il tue. Voilà, autopromo. Bref, on est toujours avec Mariam du concours Miss Face of Humanity. Donc, je le rappelle, c'est un concours qui vise à élire la femme la plus influente dans le domaine du caritatif et des belles causes. Un seul critère, c'est vraiment d'avoir une belle cause humaine à défendre ou alors d'avoir fondé une association hein, qui défend de belles valeurs, des choses assez intéressantes, en tout cas pour l'humain, pour l'humanité même, je dirais. Alors oui, c'est vrai, il faut avoir entre 18 et 28 ans parce que malheureusement il y a des restrictions. Mais on était obligé de limiter hein, pour avoir quand même des critères de sélection. Il y a eu un premier casting qui a eu lieu le 23 novembre sur Paris et le deuxième sera donc le 5 janvier. Toutes les filles de France, hein, que ce soit dans le sud, en Bretagne, enfin peu importe, vous êtes toutes les bienvenues. Vous pouvez contacter Mariam sur l'Instagram du concours, donc Miss Face of Humanity-8 France, c'est ça, hein, et une adresse mail missfaceofhumanity.france@gmail.com. Mariam, tout se passe bien ? Super. Je t'ai vu danser merci. Un petit peu sur Que Black. Hein. Un peu. C'est le genre de musique que t'écoutes ? Oui. Ouais. Ouais. C'est qui ton chanteur du moment ? Actuellement ? Ouais, un truc, peu importe, hein, international. Un gars ou une nana qui te fait bien, bien twerker à la maison, là. Ah, carrément Pokora. Twerker. danser. T'as dit Matt Pokora. Ouais. Ah ben c'est rare pour le souligner. Moi, je te mets un big up. Il va être content. Et ben moi, je te mets un big up. Il va être super content. Tu étais à son concert dernièrement ? Non, j'ai pas pu assister, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que... Enfin, j'aime bien ses musiques. Mm-hmm. Lui ou Christophe Maé ? Hey, oui, voilà. Je vois. Christophe Maé, lui, par contre,
Alors, j'adore ses musiques. Ah ouais. Ça se voit. Alors Christophe Maé, si tu entends ce message, ouais, non, c'est, faut envoyer des invitations sur IRM. Hein. J'adore. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Enfin, sa voix peut-être particulière. Christophe Maé, j'aime bien les messages qu'il véhicule dans ses chansons. Il a un grand cœur, ce mec-là. Ouais, j'aime beaucoup. Il fait passer plein de messages. Je pense que c'est réel en fait. Et parfois j'ai l'impression qu'il raconte ma vie aussi. Pour rebondir sur ce que tu dis, ouais. Est-ce que vous allez avoir des ambassadeurs ou ambassadrices ou les deux au concours, à l'événement? Bah actuellement. Des personnes connues. Voilà. Ah tu parles de parents, c'est ça? Mais on est ambassadeurs. D'une marraine, on va dire. Pour l'événement. On a plein d'idées, mais pour l'instant, rien n'est encore défini. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas commencé déjà à leur poser la question si ça les intéressait, s'ils veulent... Pas toutes. Parce que c'est vrai qu'il y en a énormément. Oui. D'accord. Des femmes engagées, oui. Il y en a pas mal. Et des hommes engagés, parce que... Attention, parce que c'est Céline. Des hommes aussi, effectivement. D'accord. Mais voilà. Moi, j'ai des noms en tête aussi, donc si besoin. Hein. Tu pourras les glisser sous la table. Ouais, aussi. Mariam, selon toi, alors, tu as rencontré pas mal de candidates. Alors déjà, pas mal de filles t'ont envoyé des candidatures, t'ont contacté via les réseaux sociaux. Et puis après, il y a eu donc ce casting le 23 novembre où Chris était là. Il y a eu deux de tes amis aussi qui t'ont pas mal aidé. Et puis moi, j'étais présente aussi. On a reçu une quinzaine de femmes qui sont venues défendre un petit peu leur profil, dire un petit peu ce qui les tenait à cœur. Quelles sont les causes qui t'ont le plus marqué? Des causes qui, selon toi, sont primordiales à défendre parmi ces candidates? Cause des enfants. La cause des enfants pour, voilà, les enfants. Je suis d'accord avec toi. Cause des enfants, c'est quelque chose, moi, qui me touche particulièrement, dans le sens où j'ai dit toujours, en fait, que... Comment expliquer? Alors, l'enfant, pour moi, il est innocent, quoi. Et aujourd'hui, je me pose... Enfin, je me dis, voilà, en bientôt 2020, comment ça se fait que... je sais pas, par exemple... Tous les enfants n'ont pas accès à la scolarité, par exemple. Concernant les enfants, il y a énormément de choses. En fait, ils sont le point central, quoi, ouais, de tellement de choses. Il y a trop de choses, en fait, que ce soit en France ou ailleurs. Tout part de la base des enfants. L'enfant et l'adulte de demain. C'est ça. Donc l'humanité de demain. Exactement. Et que il y a des parents, hélas, qui soit sont démissionnaires, soit ne peuvent pas s'occuper de l'enfant suite, des problèmes financiers ou autres. Et ce qui fait que parfois les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et je ne sais pas, souvent les associations de quartier, par exemple, arrivent à reprendre la relève et en faire des personnes bien, des gens bien, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est vrai que ce qui est en rapport avec... tout ce qui tourne, en fait, autour de l'enfant me touche particulièrement. Voilà, le soin. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont pas accès aux soins. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, ton enfant, il est malade, tu l'apprends, tu vas voir le médecin, tu as des sous ou pas, elle est prise en charge. Et comment dire, tu as des pays où... il y a des enfants qui meurent sur des choses où nous, ici, on... Ça serait soigné, pour nous, quoi. C'est banal, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, des enfants, ça me touche. Et parmi ces candidates, il y en avait donc qui avaient des causes à défendre au sujet des enfants. Hein. Absolument. Ouais. Il y en avait une, effectivement, qui t'a touchée. Ouais, qui m'a touchée par rapport aux enfants. Ouais, parce qu'elle œuvre déjà sur le terrain. Ils ont fait des belles choses. Une potentielle gagnante, peut-être. Après, ce sont les jurys qui décideront. Voilà, nous, on sélectionne. Après, c'est vrai qu'on. Voilà. Mmh. Et. En dehors des causes humaines, en dehors des causes qu'elles défendent, quelles sont selon toi les qualités qu'elles doivent avoir, ces filles, d'un point de vue au niveau de la femme, au niveau des femmes qu'elles sont? Souriantes, influentes. Oui, influentes. Influentes. Il faut que ça soit effectivement des personnes déjà qui ne sont pas en retrait, qui n'ont pas de timidité. D'accord. Par exemple, qui ont la facilité d'aller vers les gens, qui n'aient pas peur de parler en fait de différents sujets, en public, parce que c'est vrai que Miss Face of Humanity, c'est une cause, que cette personne-là, cette femme-là va défendre, mais que si elle gagne au Canada, parce qu'il va y avoir après l'élection finale au Canada, il va falloir qu'elle représente plusieurs causes.
Donc voilà, il faut que ce soit quelqu'un aussi qui sache s'adapter rapidement aussi. En même temps, pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. En même temps, toutes ces jeunes femmes, je pense que le fait déjà de rentrer dans des causes humanitaires, il faut déjà qu'elles, voilà, qu'elles aient quand même confiance en elles, parler, parce qu'il faut aller vers les autres. Absolument. À part si elles font des causes humanitaires que sur Internet, mais ça m'étonnerait. Donc mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais y a, pour le coup, comme je rencontre pas mal de présidents d'asso, il y a pas mal de personnes qui, justement, font des associations pour faire des choses pour les autres, mais qui sont vachement en retrait. Il y a beaucoup de nanas qui sont, enfin beaucoup de nanas et d'hommes qui sont dans ce domaine-là, qui font plein de choses, qui entreprennent et tout, mais qui délèguent et qui sont incapables de parler en public, qui sont très très réservés, très timides. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et là pour le coup, c'est l'ambassadrice en fait de la France qui va aller témoigner un petit peu dans le monde. Et c'est vrai qu'il faut que ce soit quelqu'un qui, je pense, n'ait pas peur de parler en public pour défendre sa cause, quoi. Absolument. Alors là tu disais, Mariam, donc elle va défendre pas que sa cause, mais plusieurs causes. Mais comment va dérouler son mandat, en fait? Parce que c'est un mandat d'un an, je suppose, comme toute émise ou toute élection. Mais comment va-t-elle faire pour défendre des causes dont elle ne connaît peut-être pas forcément les tenants, les aboutissants? Peut-être des causes qui, d'un pays à un autre, peuvent peut-être être diverses et variées. Je ne sais pas, j'aimerais en savoir un peu plus, moi, de ce côté-là. Alors, il faut savoir qu'en France, nous, actuellement, on est en train de travailler en partenariat avec... Enfin, de trouver des partenariats avec des associations. Notamment une association que je dois rencontrer cette semaine, qui s'occupe des femmes battues, donc de l'accueil de cette femme jusqu'à l'hébergement et... etc. Donc, c'est-à-dire que l'ambassade... Enfin, déjà, il faut savoir que pour concernant Miss Face of Humanity, il y aura 3 ambassadrices en France qui seront élues. Donc, les 3 ambassadrices... c'est pas un concours de beauté, donc c'est pour ça qu'on dit pas première dauphine, deuxième dauphine et troisième dauphine. Donc voilà, c'est la première chacune ambassadrice. Chacune a un rôle important. Exactement, voilà, deuxième et troisième. Donc ces 3-là seront sélectionnés pour aller à la finale au Canada. Donc arriver au Canada, donc il y aura tous les autres pays organisateurs avec aussi leurs ambassadrices. Si ces candidates-là, en tout cas moi, ce que j'espère, c'est que la France gagne. Parce que le but, c'est ça. D'emmener la France le plus loin possible. Il faut savoir qu'au Canada, ils ont des partenariats avec, avec plusieurs associations, mais dans le monde. Donc ça veut dire que celle qui va gagner déjà, si elle gagne au Canada, en tout cas, j'espère, son premier mandat, par exemple, elle va rester 3 mois au Canada, parce qu'il y a plusieurs... comment expliquer ? Il va y avoir, en fait, tout est quasiment... les 1 an, on va dire... ils sont déjà cadrés, c'est pour ça que ils sont déjà programmés. Et comment ça se passe Donc là, tu disais 3 mois au Canada. Oui. Et après? Et voilà, la première visite qu'elle va faire, ça sera en Inde. Inde. Exactement. Il y a un partenariat avec une association là-bas qui s'occupe d'enfants, notamment des jeunes femmes. Okay. Il y a un gros problème au niveau d'hygiène là-bas. Oui, donc, avec le Gange, c'est pas très, très, très... C'est ça. Avec plein d'autres choses, même, là-bas. Et voilà. Et en fait, si vous voulez, le contrat, on va dire qu'ils ont un contrat d'un an, où il y aura plein de partenariats avec des associations. Elles vont visiter plusieurs pays différents, que ce soit en France ou en Europe ou dans le monde. Et puis, voilà. Mais alors, donc pendant, entre guillemets, leur mandat, aux 3 ambassadrices, donc elles vont faire beaucoup de voyages, d'actions humanitaires. C'est un réel coût, c'est l'association qui va très probablement supporter ce coût-là, je suppose. L'organisation canadienne. L'organisation, voilà. Mais si je peux juste terminer ma petite question, l'association, elle bénéficie de dons pour pouvoir organiser ce type d'événements et de supports, parce que c'est non négligeable, quoi. Au Canada, oui. Oui. Eux, ils ont des fonds, en fait, pour ça, parce qu'ils ont énormément de sponsors. Ouais, c'est une grosse association. Il faut savoir que eux, ce n'est pas leur première élection. D'accord. Donc, ils ont déjà fait une première élection en 2018, où une jeune fille, Mélina, a été élue. Donc, celle, la Miss Face of Humanity actuellement. Elle œuvrait pour les sans-abri.
D'accord. Donc grâce à elle quand même et l'association qui l'a accompagnée pour ça, elle a pu loger plus de 250 personnes. Ah ouais, voilà. C'est génial. Donc, bah, c'est super. Bah, les sans-abri d'Ajax, côté de Toronto, à quelques... Mmh. Donc eux, effectivement, ils ont déjà ces financements-là. Nous, en France, c'est un peu plus compliqué. Même si on a Miss Face of Humanity, j'ai quand même créé une association The Face of Humanity France. Mmh. Et effectivement, actuellement, on est toujours à la recherche de sponsors. Parce que tout ça, c'est un coût. Bah oui, 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 c'est ça. Faut pas que les gens oublient que derrière, c'est bien beau de faire des associations, c'est bien beau de dire oui, ouais, c'est très bien. Ouais. Mais si chacun a la possibilité de pouvoir y contribuer. Absolument. À sa hauteur, il faut y aller, quoi, parce qu'il faut soutenir, quoi. Si on soutient, on soutient vraiment en apportant un petit peu de moyens. Bien sûr. Comment tu expliquerais peut-être la difficulté, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, la difficulté en fait de trouver des sponsors ici en France, comparé, même si vous n'avez pas le même nombre d'années d'expérience que le Canada, mais comparé en fait à l'organisation canadienne. Alors, il faut savoir qu'en France, les entreprises que je suis allée voir, c'est que c'est un premier événement. Mm-hmm. Donc, qui dit premier événement, forcément, tu as ciblé, risque. Ouais. Voilà, tout ça. Et la plupart des entreprises que je suis allée voir, ils sont très, très emballés par le projet. Ils trouvent ça juste génial. Mais on me dit, une prochaine fois. Voilà, l'année prochaine, ils n'osent pas. En fait, il faut toujours attendre qu'il y ait déjà un qui ose. Absolument. Et dire, ah d'accord, il l'a fait, ça marche. Bon, nous aussi, on y va. C'est cette façon un peu d'être frileux, peut-être que... Après, moi, je peux comprendre. Hein. Je peux tout à fait comprendre. Mais c'est vrai que si on veut déjà faire le premier événement, il faut bien qu'on nous fasse confiance. Bien sûr. Et que les gens suivent derrière. Alors, c'est vrai que c'est toujours un point important et c'est bien qu'on en parle parce que quand on a une association, comme le disait Achille, c'est bien d'avoir plein d'idées. Mais c'est vrai qu'en général, c'est le fondateur qui met les fonds au début. Mais après, forcément, il faut que les dons rentrent. Il y a plein de types d'associations. Donc effectivement, des fois, c'est des dons qui vont servir à des sans-abri, à des personnes malades. Mais il y a aussi des organisations comme celle du Canada où les dons vont servir à honorer le mandat de cette gagnante. Le mandat, ça ne va pas aller directement... pour aider un sans-abri peut-être, mais la nana qui a été élue, enfin je le rappelle quand même, moi je trouve que c'est énorme, elle a pu reloger 250 personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, alors le week-end parfois je me balade, surtout ce week-end je fais pas mal de petites balades intéressantes, et j'étais dans le 15e, et je suis tombée sur un bus, un grand bus, en fait c'est un bus pour les sans-abri, donc c'est pas celui de la RATP, mais c'est un très très grand bus, un bus blanc avec plein d'écrits au-dessus. Oui, okay. Oui. Et je me suis arrêtée devant ce bus parce que ce qui m'a intriguée, en fait, c'est qu'il y a un message dessus. Là, j'étais en train de chercher la photo, parce que je l'ai pris en photo. Il y a marqué « Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur un trottoir et d'y mourir de froid. » Ça, c'est le propos qu'a tenu Nicolas Sarkozy en 2006. C'est le même propos qu'a tenu M. Emmanuel Macron. Exactement. Il y a 2 ans, je ne sais plus quand il a été élu, il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a rien qui a changé. Alors, effectivement, il y a des structures qui sont mises en place, il y a des petites choses, mais en général, c'est des assos qui font des maraudes, c'est des gymnases qui logent les gens. Mais tous les présidents qui ont ce genre de discours pour appâter un petit peu les électeurs, excusez-moi, moi, je ne suis pas très, très politique, il y a quand même eu ces discours-là où on s'est dit « Ah, enfin, quelqu'un qui va changer les choses !» Et en fait, rien n'a changé. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui crèvent de froid dans la... Et en ce moment, il fait très, très froid. Il y a des enfants, des femmes, des hommes qui crèvent de froid dans la rue. Personne ne fait rien, tout le monde s'en fout. Et grâce à un concours comme Miss Face of Humanity, on parle de Miss, on parle de plein de choses, on rigole un petit peu. Mais mine de rien, la nana qui a été élue, elle a quand même sauvé 250 personnes. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on peut applaudir. Bien sûr. Et donc, le fait de faire des dons pour Miss Face of Humanity global, ça sert aussi à ça. Donc, je voudrais vraiment qu'on pointe ça un petit peu parce que je trouve ça juste énorme. Et puis un autre point que je trouve important aussi, c'est vrai que trouver des partenaires et trouver des sponsors, c'est pas la chose la plus facile. Alors quand on a une entreprise, c'est encore autre chose, mais une association, c'est un peu plus simple parce que c'est quelque chose qui fait avec le cœur. Mais il faut pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire que aller voir les gens, et c'est vrai qu'aller les voir au culot et tout, en général, ça marche. Mais il y a toujours un petit process à respecter, surtout quand on va voir des grosses entreprises. Une association, en tout cas, moi, je le vois comme ça, pour moi, c'est une entreprise, mais faite avec le cœur, une entreprise beaucoup plus humaine. Mais rien n'empêche d'avoir des choses assez carrées, parce que les entreprises, c'est des gens qui sont quand même très carrés derrière.
Petit conseil, si vous êtes président, fondateur d'une asso, et si vous avez besoin d'avoir des sponsors ou des partenaires qui financent un petit peu, déjà, il ne faut pas oublier, je pense que pas mal le savent, mais des fois on oublie, les entreprises qui font des dons importants aux associations sont défiscalisées à 50%. Voilà. Ça, c'est un vrai plus. C'est ce que, voilà, c'est, à 60, tu m'as 66. Enlevé les mots de la bouche. Voilà, c'est ça. Tu as vu ça ? Voilà, on se complète vraiment. Il y a ça, je pense qu'il faut le dire, parce que quand les gens, en fait, c'est tout bénef pour eux, en fait. Ouais. Au niveau des impôts, ils sont 60% remboursés. Pour les particuliers, 66% les entreprises, me semble-t-il. Ouais, après il y a des petites effectivement. Des petites subtilités. Mais en attendant, quand vous donnez, et ben vous gagnez au niveau des impôts. Donc c'est un détail qui n'est pas négligeable. Ouais. Et puis moi, je vous invite vraiment à vous entourer, moi c'est ce que je fais dans mon asso, à vous entourer de gens qui ont été formés pour ça, qui sont spécialisés dans la recherche de sponsoring, de mécènes, de partenaires, parce que c'est pas en allant discuter un petit peu avec les gens, tu veux être mon partenaire, t'inquiète, je vais te faire de la visibilité, t'inquiète, vas-y, si. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, faut faire un vrai beau dossier de presse, faut avoir un vrai site internet, faut montrer qu'on a déjà fait des choses, faut avoir un discours professionnel, faut avoir un mailing, faut vraiment faire les choses professionnellement, parce que même si c'est une asso, c'est pour des vraies choses concrètes derrière, pour mener à bien ces actions. C'est pas quelque chose de négligeable. Et voilà. Bon, c'était juste des petits rappels pour tous ceux qui ont des assos et pour vous dire que voilà, les partenaires, les dons, c'est ce qui fait vivre l'asso. On a beau avoir plein d'idées, d'être plein de bonne volonté, mais il faut de l'argent pour faire les choses, malheureusement, mais c'est comme ça. Mariam, donc le concours Miss Face of Humanity, on l'a dit, hein, il aura lieu en mars 2020. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour mener à bien ce concours, l'organisation de ce concours ? Mis à part des partenaires, mis à part les prochaines candidates, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient faire avancer le concours ? Pour faire avancer le concours, des partenariats avec quelques associations encore. Ok. Voilà. Principalement parce que c'est vrai que j'ai sauté tout à l'heure une petite étape, mais il faut savoir que les trois ambassadrices France devront en fait soutenir en fait aussi en France des associations. Donc voilà, donc on va, il y a plein de choses qui se préparent, mais par exemple une association qui, en manque d'argent ou autre, nous on va essayer de faire des galas, par exemple. Voilà, des galas avec les candidates présentes et essayer de faire et récolter des fonds en fait pour pouvoir les reverser à une autre association. Donc voilà, sorte que tout au long, avant le concours final, il va y avoir pas mal de choses qui seront faites en France. Sur place, sur place en France. On a plein d'idées et plus qu'à mettre en application, j'ai envie de dire. Donc des partenariats, une salle. Voilà, une belle salle. On s'est tous tournés vers Achille. Non, on va trouver. Voilà. On a déjà des petites idées, mais avec les tiennes en plus, ça va être top, je pense. Donc voilà, et puis après, nous suivre. Ouais. Nous suivre sur les réseaux, nous soutenir. Parce qu'il est vrai que, comme je disais, en France, quand on ira au Canada, il va y avoir d'autres pays. Mm-hmm. Voilà, il y aura le Japon, il y aura l'Australie, il y a énormément de pays. Et il va falloir que la France soit derrière nous, parce que vraiment, c'est que l'ambassadrice France, elle gagne. Quoi. L'année dernière, elle était de quel pays, la gagnante, d'ailleurs ? D'origine italienne. D'accord, de l'Italie. Voilà, enfin, elle est... Oui, d'origine italienne. Ok. Alors, il y a quand même un petit détail qu'on n'a pas dit. C'est quoi la somme qui a gagné, en fait ? La grande gagnante mondiale, elle gagne quelle somme ? Parce que c'est quand même assez énorme. Donc, il faut savoir que la gagnante mondiale, elle se verra financer entièrement sa cause par Miss Face of Humanity Canada. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que son projet coûte 100 000 euros, elle se fait financer 100 000 euros. Voilà. Ah oui. Et elle j'ai plus de 28 ans C'est pour ça que moi je te dis, il y en a ici qui sont présentes, qui auraient espéré, mais malheureusement... J'espère rien du tout. Et puis pour finir, elle aura plus de 200 000 dollars de cadeaux. Ah oui. Voilà. Ah, Céline Asdia. Bon, les gars, vous savez, hein, moi je viens du bled, t'as vu, j'ai refait mes papiers il n'y a pas longtemps. J'ai 27 ans. Tu vois, non ? Je viens du Congo. Faut qu'elle ait 28 ans au moment de... Attendez. Faut qu'elle ait 28 ans au moment de l'élection, ça se trouve, si. C'est ça. Elle a 27 ans. Alors, faut avoir 28 ans au moment du casting. Donc, tu peux même avoir 29 le jour de l'élection. Les vraies règles, c'est ça.
Yeah. Ça change rien pour moi. Bah, ça change rien pour nous. on est périmés. Nous, on peut que présenter le truc, quoi. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vraiment bien, c'est bien. C'est bien. Ouais. Non, c'est vrai. Et il y a déjà une candidate qui a refusé les 200 000 dollars de cadeaux. Ah non, c'est impossible. Ah oui, c'est à ce point. J'allais la chicoter, hein. On sait pas, hein. Ah, mais c'est sorti d'un naturel, genre, ah non, c'est pas possible. Ah, mais on sait pas, hein. Non, mais à savoir que quand même aux États-Unis, enfin au Canada, lors de l'événement, lors de l'événement en septembre prochain, ça va être du lourd quand même. Enfin, ça va être quelque chose. Hein. Ouais. Ah oui. Et puis donc là, ce qui veut dire là, donc nous on est invités au mois de mars. Ah non, mais vous êtes tous conviés. Hein. Là, je vous dis tout de suite. IRM Radio est partenaire de l'événement et surtout avec grand plaisir. On sera présent. Ça c'est parfait. Parce que je pense que tu as noté sur ton agenda. Non mais ça, il n'y a même pas, c'est noté. Moi, j'attends d'avoir le papier, le carton. Pas de problème, on te fait ça. Voilà, une fois que j'ai le carton sur lequel il y a marqué mon nom. D'ailleurs, c'est les partenaires graphistes qui veulent... Voilà, ouais. Déjà, s'il y a mon nom plus mes deux invités, donc mon nom Achille plus deux personnes, ça, c'est déjà bon. Mais après, si on veut... c'est comment pour le Canada, là? Parce qu'il faut qu'on aille là-bas aussi. Mister Face. Mister Face est déjà paré. C'est ça. Parce qu'il faut soutenir la France. Donc, il faut soutenir la France. Et je vous dis, ça va être... je pense que tout le monde connaît, ça va être un show à l'américaine. Et t'imagines le bordel dans le public. Miss Face of Humanity, qui va gagner? On va faire le bordel dans le public, laisse tomber. Tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Non, tu t'ennuierais sans moi, Achille, arrête un peu. Je m'attendais pas à celle-là. Oui, personne ne s'y attend. Mariam, on arrive bientôt en fin d'émission. Moi, j'aimerais savoir si demain, quelqu'un veut se lancer en fait, dans l'organisation d'un concours un petit peu comparable à celui-ci, quel conseil tu lui donnerais? Par rapport aux difficultés que toi tu rencontres actuellement ou par rapport à la force que tu as? D'avoir beaucoup de patience, j'ai envie de dire. Effectivement, ne pas compter ses heures. Mm-hmm. Parce que pour le coup, moi je me suis vue jusqu'à 4h du matin bosser, me lever à 6h30 pour déposer mes enfants. C'est beaucoup de taf. Hein. C'est énormément de travail et je vous avouerai que moi aussi j'ai été un peu surprise en fait de ce qu'il y a comme boulot. Mais c'est une super belle expérience et pour ma part c'est très très enrichissant. Bon bah super. Un dernier mot, Neil, Achille? Non, bah laissez parole aux dames. Écoutez, moi je suis vraiment très contente d'avoir fait la connaissance de Mariam en fait, qui est un petit grain de sable parmi une grosse organisation. Je découvre donc Miss Face of Humanity. C'est vraiment un bel événement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne connaissais pas. Je pense que vous devriez avoir encore plus de visibilité parce que c'est vraiment le genre de choses qui peut emmener la jeune génération à se dire voilà, j'ai toujours pensé à ça. Est-ce qu'il y a possibilité que je puisse le faire? Est-ce qu'on peut m'écouter? On me donne la parole? Je pense que vous devriez vraiment être sur les plateaux télé aussi. Et essayer d'avoir aussi des partenariats par ce biais-là. C'est en cours. Voilà, par ce biais-là. Et vous donnez vraiment une raison à la jeunesse. Et c'est très important. Donc de savoir qu'on n'est pas seul. Faudra penser à donner ça à la vieillesse aussi. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Achille. Promise face of humanity senior. Attention, faut être poli quand même. Senior. Je ne m'inscris pas. Bref. Ok. Ah ben, je vois qu'il y a Mariam, elle y va aussi. Elle, elle a des punchlines. Elle y va. Non, mais en tout cas, vraiment, c'est, je ne connaissais pas non plus du tout. Mais agréablement surpris. Je crois qu'en fait, c'est une grosse machine qui existe déjà. Bon, comme d'habitude, en France, on est toujours en retard. Mais mieux vaut tard que jamais. Absolument. Et en tout cas, je souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Je sais qu'il en faut. Pensez à faire des dons parce que c'est important pour que d'autres puissent aussi en bénéficier. Et quand on dit les autres, nous aussi, tôt ou tard, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc ça, on peut se retrouver bien dans sûr. Ce cas de figure-là. Absolument. Donc il faut penser un petit peu aux autres et peut-être à nous et à la future génération. Et puis moi, j'apporterai mon aide comme je le peux pour pouvoir aider et contribuer.
Voilà. C'est ça la Watch at Team, c'est beau. Hein. En tout cas, Mariam, merci beaucoup pour ta présence et pour avoir répondu présente à cette invitation dans Watch at Talk. T'as passé un bon moment ? Un super bon moment. Super. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de notre émission. Alors, petit rappel avant qu'on se quitte, Miss Face of Humanity France sur Instagram et sur le site. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes une femme entre 18 et 28 ans. Bref, et si vous avez une belle cause à défendre, vraiment foncez, il y a une très très belle opportunité, ça va être un très très bel événement. J'invite tous ceux qui sont curieux de voir comment ça se passe, tous les artistes, toutes les personnalités à venir nous rejoindre en mars pour le concours Miss Face of Humanity. Quant à nous, on se retrouve alors malheureusement pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour une nouvelle édition de Watch a Talk. Merci à tous, on a passé un bon moment comme d'habitude. Merci à vous. Merci. À très vite. Ciao. Ciao, ciao. I don't like nobody but looks like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but.